Salam, j'espère que la bonne occupation trouve place, bonne place et bon partage chez vous. En face, fleurs murales, fleurs du printemps, murs en pierre, architecture ancienne qui résiste jusqu'à maintenant. Un autre type de fleurs, printemps. Juste à côté de la porte, comme c'est toujours la période de confinement, je respecte vous aussi. Pas plus loin de chez soi, par obligation. Donc là en face, la nature sauvage, la nature de l'Auvergne. Ça monte et ça descend des trous volcaniques animés. Déjà, il y a le soleil. Par les chants des oiseaux. Là, il y a avant, il y avait l'élevage des faucons. Quand on dit des faucons, hein, donc parlons de l'élevage de faucons. Des faucons, il y a la présence. Il y a le château de Saint-Sulpice. Donc dire, il y avait l'animation fait par des fauconniers. Voilà, un petit oiseau qui dit bonjour tout le monde. Et tout de suite, on va attaquer toujours. Et suivre les noyaux et le coq de fruits avec une petite démonstration. Ce sera peinture sur coquille de noix et l'œuvre, ce sera à base bien sûr de coquille de noix. J'espère bonne suite et le bien et le meilleur avec tout le monde. Bon accompagnement, bon soutien. L'art, le bricolage, la bonne occupation, la lecture ou tout simplement parole de soutien fait beaucoup. Et on rapporte beaucoup. Alors, venez avec moi, à tout de suite. Alors, noyaux et coques de fruits, on a de toutes les sortes. On a dit l'autre fois, donc, depuis le plus minuscule, ces pépins de raisin, jusqu'à ce que j'utilise jusqu'à maintenant. En plus, là, le noyau de la mangue. Variété de forme et couleur. Bien sûr, on a vu les noyaux de néflier. Donc, multifacette. Les couleurs de noyaux de raisin, pardon, de cerise. Et on a vu sur l'œuvre, il y avait des noyaux de pruneaux, pardon, de prunes, donc prunes sauvages, ou bien prunelles, comme on appelle. Donc les formes. Donc, c'est soit
à peu près, donc comme ça. Donc ça ressemble un petit peu, ça. Il y a une ressemblance rallongée vers les deux extrémités. Aussi, donc, pour faciliter la tâche, soit prune, donc les prunes en tout corps, sauvage ou autre, ou noyaux, pardon, les noyaux de cerise. Donc, pour faciliter la tâche, il vaut mieux que ça soit cuit. Donc, je profite. Dans la cuisine pour faire les tagines, ce qu'on a au Maroc, spécialité tagine au pruneau. Alors, moi, les pruneaux, donc ça, on voit bien, c'est un noyau de prune tout court. Donc, pruneaux quand ils sont sèches, secs. Alors, je fais tout court, je fais. Des pruneaux dans n'importe quel tagine, donc tagine légumes, c'est vraiment délice, donc salé sucré, ça sort très 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 bien. Ou bien j'utilise donc tarte aux poireaux, ici on en mange beaucoup, tarte aux poireaux, donc je m'amuse à mettre par exemple trois par deux, donc deux pruneaux par personne. Et c'est bon au four. Ben tiens, il y a aussi j'en profite aussi. Donc il y a aussi j'utilise les noix, les noix. Donc pruneaux et noix sur tarte au poireau, bien sûr avec fromage. Et au four, voilà. Donc après, je mange les pruneaux et c'est là que c'est facile de détacher carrément, sans chair le noyau et de le laver facilement. Aujourd'hui, c'est avec une nouvelle œuvre. Ça sera la peinture sur coquille de noix. Je vais faire une petite démonstration et pour vous faire amuser avec vous-même, avec les petits que avec les grands. À tout de suite. Donc, j'aurai besoin d'une coquille de noix et pour la coller, parce qu'il faut la coller avant d'attaquer la peinture ou bien le dessin. Donc ça sera un portrait. Donc pour la coller, j'aurai besoin soit d'une tranche de branche d'arbre ou tout simplement recyclage. Je fais appel le plus économique, le meilleur, c'est des petits cartons qu'on trouve dans la boîte de fromage. Donc, on ne les jette pas, on les utilise. Ça marche très 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 bien. J'en ai profité pour faire des ateliers, pour animer mes expositions. Ça a trouvé beaucoup de succès, surtout auprès des enfants, bien sûr auprès de tout le monde, avec une forme originale, bien sûr, cercle, si on peut dire, brisé un petit peu, donc. Ou couper, donc voilà.
voilà, c'est comme ça. Après, j'aurai besoin, bien sûr, de la colle, soit la colle à bois, tout simplement, pour le travail facile. Pour la résistance, ça serait mieux la colle à bois, ce que j'utilise. Et sinon, donc la colle à chaud. Après, on attaque avec la peinture. Donc, j'utilise juste blanc et noir. À vous de varier les couleurs. Faites comme vous voulez. Vivez une aventure. Imaginez, voyager et rêver. Et 1, 2, 3, on attaque le travail.